dans ma voiture, je n'étais pas réactif. Ils m'ont dit que c'était mal et que c'était très nocif. J'avais fumé la veille, j'étais inoffensif. Ce matin-là, je m'en allais tranquillement au boulot. J'avais bu mon café, j'avais passé ma tête sous l'eau. J'avais pris ma gamelle et je regardais le chrono. J'étais dans les temps, je n'avais pas à mettre le turbo. Je monte dans la voiture et je fais péter la radio. Je sors de mon quartier en utilisant le pignon. À peine 3 km de fait, je vois la moto qui me fait signe de me garer avec le gyro. Contrôle d'identité, monsieur, présentez vos papiers. Vous êtes en règle, mais je vais devoir vous dépister. Il me dit, avez-vous quelque chose à vous reprocher? J'ai dit non, je suis clean et je m'en vais pour travailler. Il me dit, mets ça dans la bouche et me dit de frotter. 10 minutes ont passé, ça y est, le verdict est tombé. Monsieur, votre permis, je vais devoir vous confisquer. Voler mon permis parce que j'étais positif. Positif, à quoi positif? Au cannabis. Ils m'ont dit que j'étais dangereux, trop inattentif. Que c'était pour mon bien, que c'est du préventif. Ils m'ont volé mon permis parce que j'étais positif. Que dans ma voiture, je n'étais pas réactif. Ils m'ont dit que c'était mal et que c'était très nocif. J'avais fumé la veille, j'étais inoffensif. Monsieur l'officier, je ne trouve pas que cela soit normal. Même si je le sais, le cannabis est toujours illégal. Mais reconnaissez que mon état n'était pas anormal. Merci d'arrêter, de me contrôler, de me faire la morale. Je ne suis pas un danger sur la route. Je suis toujours prudent quand je prends la route. La vie est belle et j'en ai pas rien à foutre. Non, je ne veux pas décéder sur la route. Y'a bien plus dangereux que moi sur la route. J'en vois qui font les narvalos sur la route. Certaines ne sont pas assurées sur la route. Et c'est moi qu'on traite comme un criminel. Ils m'ont volé mon permis parce que j'étais positif. Ils m'ont dit que j'étais dangereux, trop inattentif. Ils m'ont volé mon permis parce que j'étais positif. Mal et que c'était très nocif. Ceux qui prennent des médicaments, ils ne les contrôlent pas. Et ceux qui ne voient plus rien, ils ne les contrôlent pas. Les fils d'eux et les bobos, ils ne les contrôlent pas. Les docteurs et les avocats, ils ne les contrôlent pas. Monsieur, gendarmerie nationale, contrôleur routier, présentez-moi les papiers du véhicule, s'il vous plaît. Merci. Alors, ok, très bien. Vous avez rien sur vous, les gars? Pas de stup, pas de cheat, hein? Non, vous êtes sûr? Pas de verte, rien du tout? Vous êtes bien sûr? On va vérifier ça, messieurs.